Fuchsia pour radio, je suis actuellement en ville. Microphone activated. Ouais, je suis aussi en ville. Je viens d'arriver. On s'est pas croisé d'ailleurs. C'était toi la station service là qui faisait l'hélicobit? Ouais, putain, tu m'as reconnu. Dis bonjour la prochaine fois. Ça marche. Alors, on y va. Direction la station de taxi. C'était pas. Mais j'ai cru que c'était Vito et Gino. J'ai grave cru que c'était Vito et Gino, mais non. Ils sont bannes. Je sais pas du tout pourquoi ils sont bannes. Demandez-leur. J'en ai aucune idée. Ça me regarde strictement pas. Donc. Poison pour radio, je suis en ville. Bien reçu, Poison. Bien reçu. Je prends mon service. Je vais aller à la salle de muscule. Y a quelqu'un qui veut y aller ou pas? Je suis déjà en direction vous pour le nord. Vous me faites bander, merci mon bon. Tiens, bon, ramène-moi la salle. Allez. Non plus. Si besoin, oublie pas le mot. Y avait des taxis de sortie ou aucun là? Y en avait aucun, pourquoi? Aucun, okay, pour savoir si je devais en chercher à le foyer ou pas. Non, c'est bon. Allez, vas-y, on y va. Il y a Bjorn, Bjorn qui m'a dit qu'il devait parler avec toi pour se faire embaucher en Bjorn. Et on le reprend ou pas? Ah, je sais pas moi. Moi je crois qu'il bossait bien, hein. Je le voyais très souvent en taxi et tout. Hein. Depuis qu'il était là, j'ai dû recevoir 2-3 rapports, c'est tout. Ouais, mais je le voyais quand même souvent en taxi. Après, faut juste lui dire de faire plus de rapports. T'as des rapports des nouveaux employés? Kaden, quand il est là, il m'en fait quand il travaille. Ouais. Alors, José, aucun, pas revu. Rosso, bon, lui a pas commencé. Moi je me branle un peu de ses rapports à lui. Emmanuel, il est malade. Pas venu depuis 2-3 jours là, non, il me semble. Si, il m'a envoyé un message, je croyais, à 3 heures disant qu'il était là. D'accord. Bah, dis-lui de venir à la radio, au pire. Ouais, mais je sais pas s'il est là. Bah, dis-lui par SMS. Bah, je lui ai dit, mais okay. Sinon, je leur ai déjà dit de venir à la radio. Diego, aucune nouvelle. Donc, en tout, il y a que Bart et Kaden. Allez, on va soulever au calme. On fait ça en tenue, on s'en branle. Attends, tu t'es fait des nouveaux tatouages ou quoi, putain? Comment ça? Ouais, ton tatouage sur le dos? Non, je l'avais déjà la dernière fois. Ah, d'accord. Mais tu les voyais pas? Ouais, maintenant on les voit. Bah, j'en sais rien. Tu les vois là, mes tatouages? Ouais. Tu vois, t'es fait poisson à gauche? C'est parce qu'il y a de l'encre indélébile. Attends, attends, bouge pas. Hein. Je vais regarder, bah, je vais à gauche sinon. Ouais, faut aller à gauche. Ah, il y a écrit ça, et bien joué à toi, putain. Ouais, je vais aider tout le monde. T'as clairement été le meilleur. Je te dépose quelque part ou pas? Je vais faire quelques clients. Bah, ça reste taxi. Attends, je m'habille. Allez, vas-y, je te dépose, je vais prendre le client au passage. Et après, je vais aller me prendre un peu d'eau. Attention. Oh putain. Complètement malade, les gens ici, hein. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais elle est complètement malade, celle-là. Bon, tu vois. Salope, oh putain. Oh, ok. Laisse-la, c'est pas grave. Ok. Bon. Ah, mais les clients sont rois, tu devrais le savoir, hein. Par contre, la cliente, elle a zéro rigolé. Hein. Elle a dégagé. Elle a dégagé, moi, elle s'en bat les couilles. Hein. De Silver, je viens d'arriver dans la... sur la radio. Bien compris. Bienvenue à toi. Du coup, Yellow a succombé à son rhume ou pas? Du coup, apparemment, d'après des nouvelles, c'est compliqué. Je sais pas si on aura des nouvelles en ville, mais de ce que j'entends de l'extérieur, c'est pas Jojo. Ok, c'est un sale rhume. C'est un sacré rhume. C'est un rhume apparemment qu'il a chopé dans son séjour à Gonfreville. C'est un cancer du rhume qu'il a. C'est un cancer du rhume, ouais. Ouais, une situation assez commoche. Ouais, beaucoup de... Ouais, commoche. Très commoche. Mais là, avec tout ce qui s'est passé récemment, le fait que j'ai porté plainte contre moi-même et tout, ça fait déjà beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Donc là, vaut mieux la jouer calme. Parce que eux, ils comprennent pas. En fait, le problème des flics, c'est que dans leurs histoires, c'est quand ça les arrange, tu vois. Genre, on sait très bien le gang des Russes, la mafia russe, on sait très bien qui c'est. Voilà, ils savent tous, on va pas se mytho. Même dans les plaintes et tout, je parle en termes legit, hein, pas en... sans raccourci, sans HRP ou autre, hein. Ils traînent en ville avec des putains de sacs et des kalachnikovs dedans. Enfin, frère, au bout d'un moment, quand tu fouilles les gens ou autre, enfin, t'es là en mode pourquoi vous avez des kalachs? Eux, ils s'en battent les couilles et les flics disent rien, jamais, tu vois. Moi, je me fais H24 arrêter pour des putains de feux rouges et eux, c'est genre it's okay de ouf, tu vois. C'est les grands motards. Je viens de croiser un groupe de motards habillés en rose. Hop! Putain, je viens d'écraser un putain de loup, bordel. Oh bordel, il a... Putain, je vais devoir changer mes pneus. Un groupe de motards habillés en rose? Ouais, ouais. Ah ouais, trois motards habillés en rose. Bah, c'est mignon. T'as essayé de leur parler? Non, j'étais à 180 à côté d'eux. Ah, très bien. Fais les clips. Fais une action. Je crois que c'est lui. Ça va ou quoi? Bonjour, monsieur. Ouais, vous allez bien? Salut. Vous allez bien, ODD? Non, c'est pas ODD. C'est pas ODD, putain, il est là, ODD, non. Ou pas? Non. Ah putain, vous êtes habillé exactement comme lui, bordel. Ouais, il a toujours kiffé mon flow. Et il est encore en ville en ce moment ou pas trop? Ouais, il est pas là ce soir. Ouais, je crois qu'il dort ce soir. Ok, très bien. Bon bah, messieurs, je reviendrai plus tard alors. Vous avez un problème avec votre voiture? Enfin, votre scooter plutôt? Non. Ouais. Très bien, hein. Ah non, c'est juste le gars qui sait le scooter, il l'a bien fermé, c'est tout. Ah, d'accord. On va passer une bonne journée alors. Merci. Ouais, non, merci.
putain, c'était pas comme ça que je voyais les choses. Y'a quelqu'un à l'hôpital ou pas? Plutôt critique en ville. Ah bah, ce que là, j'allais là, dire, là, je pense que c'est plutôt critique en ville. Y'a plus de médecins. Ah, y'a plus de médecins. Y'a des flics, mais ils savent pas ce qu'ils font. Ouais. Y'a que des familles, on sait pas ce qu'ils branlent. Y'a qu'une plante qui a poussé sur l'île, c'est la vide. Bonjour, messieurs, dames, vous allez bien? Bon, ça va et vous? Y'a un mois de retard, mais les gens qui se balancent, on sait pas qui c'est. Vous avez toujours prévu votre event demain? Exactement. Demain? Non, demain. Non, demain. C'est jeudi prochain? Non, c'est jeudi et vendredi. Il y a deux events. D'accord. Donc, ouais, y a un event demain. Jeudi, c'est un concert. Demain, ouais. Du coup, concert. Et vendredi, ouais. C'est une course de moto. Et ça va être sympa ou pas? Normalement, oui, bien toujours, sûr. Non. D'accord. Ok. Dites-moi, je peux vous poser une petite question ou pas, s'il vous plaît? Ouais. Bien sûr, on vous écoute. Demain, il va durer combien de temps le concert? Bonne question. À peu près. Elle va faire quoi? Attendez, elle va vraiment chanter, putain? Oui. Cinq chansons de prévu. Cinq chansons? Oui. Attendez, on est d'accord qu'on parle de la personne qui est. Cinq. Qui est mécanicienne? Oui, la patronne. Ouais, c'est ça. Oh putain. Et c'est. Ok, on sera là. Eh, on pourra assurer la première partie du concert ou pas? Je sais pas. Pourquoi? Très très chaud, nous, en musique. Mais c'est vrai que la dernière fois. Mais oui. C'est vrai, ça. Mais faudrait voir avec elle, du coup. Ouais, mais on la voit. On n'arrive pas à la voir. On n'a toujours pas payé, d'ailleurs. Grave. D'accord. Y a pas... Ah, parce qu'elle vous paye? Bah oui, pour organiser les événements. Bah c'est nous qui organisons, donc. Et c'est combien la place? La place, faut voir avec elle, par contre. Je crois que c'est 200 dollars, il me semble. 150. 200 putain de dollars pour l'entendre chanter 5 musiques? Mais c'est Johnny Hallyday ou quoi, bordel? Rip Johnny Hallyday. Ah, c'est Rihanna, quoi. Ah ouais, mais 200 balles, et vous, attendez, elle vous a payé combien? Bah, elle nous a pas encore payé, mais 2000 plus la nourriture. Ok, c'est à quelle heure le concert, alors? 22h. 22h, et ben j'y serai, normalement. Mais 200 dollars, je suis pas sûr, hein. Je resterai à l'entrée. Hein. Bah, au pire, vous pourrez venir à l'after et vous ferez des petites chansons après. Ah, il y aura un petit after? Bah, comme ça, bien sûr. Ah, putain, là, vous commencez à me plaire, là. Vous savez s'il y aura du monde à peu près demain? Il y a combien de personnes attendues? C'est elle qui s'occupe des inscriptions. C'est elle qui s'en occupe et elle a pas voulu me communiquer le nombre de personnes. Ah, ok. On verra. Franchement, personne attendue. Non, mais venez à l'after, ça sera mieux. Ouais. Ok, on verra ça. Bon, on va passer le moment. Préparez-nous des petites chansons pour l'after. Ouais, vous inquiétez pas. Passez une bonne journée en tout cas. Ouais, bah, merci, bonne journée. De même, hein. Toujours des chansons dans la tête. Parfait. Ça peut être intéressant pour les flics et tous ceux qu'on cherche. Ouais, j'ai croisé là les deux Riolet et John là. Ils font un événement demain. Écoutez bien. Hein. Vous savez là, Rihanna là, la directrice de mes couilles. Ouais, de Beniz là. Voilà, c'est ça. Elle est gentille, elle. Elle est pas méchante. Elle fait un concert, elle chantera 5 musiques. Par contre, okay. Attention, hein, c'est une Destiny Child. Hein. Le prix d'entrée, c'est 200 balles. Ouais, mais est-ce qu'à ce prix-là, elle te répare ta bagnole aussi? Bah, on lui demandera, hein. Mais c'est, par contre, c'est demain à 22h. Donc, au pire, vous savez ce que vous ferez? Moi, je vous rejoins direct. Et vous prendrez 10 minutes de votre temps, un petit peu avant, et vous irez. Parce qu'il y a peut-être les deux personnes qu'on aura en vue. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ça marche. De toute façon, je vous ferai un gros résumé dans le tableau bientôt. C'est juste pour les deux personnes qui... J'y irai pas, hein, j'en ai rien à branler de son concert devant moi. Mais non, mais c'est pas pour le concert, en fait. Oui, non, mais rien à branler, hein, c'est pour choper... Pourquoi? C'est pour 06? C'est pour... Il y a deux numéros à choper. Il y a deux numéros gagnants. Mais me parle plus de lui, par contre. Lui, j'ai pas envie d'en parler. Non, mais je te parle de celui qu'on doit choper pour rappeur. Ouais. Ouais, c'est neuf, ouais. 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 Et même si on sait qu'ils sont là-bas, qu'est-ce que ça peut nous foutre? Vu qu'on les chantera pas là-bas. Sûrement pas. Bah, ça peut se faire. On connaît pas la situation, tu peux pas juger une situation sans la connaître. Si c'est un événement, il y a forcément du monde, donc je la connais la situation. Ouais, on les chantera pas là-bas. Donc, flics. On sait pas, on sait pas. On verra il y aura demain. Forcément des flics en service pour mais assurer la sécurité de l'événement. Des flics en service, mais on verra demain. Alors, voilà. Ah, tiens, les flics sont là d'ailleurs. Ils sont à la boîte de nuit. Enfin, à l'ancienne boîte de nuit. Bonjour monsieur, vous allez bien? Et vous? Bah ça va, vous êtes pas fait arrêter par les flics tout à l'heure? Ah si, à l'instant là. Ah et vous voulez quoi? Bon, c'était pour un feu rouge, mais il y a eu 3 voitures suspectes, ils ont dit, donc du coup ils m'ont laissé repartir. 3 voitures suspectes? Pourquoi elles étaient comment? C'était des berlines noires. Fuchsia pour radio, je vais faire un petit peu de musculation. C'était 2 rues en bas là, donc elle descendait quoi. Très bien. Elle descendait dans en ville, hein, on est d'accord, elles allaient en ville. Ouais, vers en ville, ouais. Ok, merci monsieur. 3 berlines noires qui se dirigeaient en ville. Faites attention à vous, les flics sont partis à leur poursuite. Bien reçu. Bon bah 3 berlines noires, hein, on se doute un petit peu, faites attention quand même, on est des millions dans cette ville. Ouais. Mais 3 berlines noires quand même quoi. Est-ce que les voitures elles ont un accent des pays de l'Est? Ouais, le pot d'échappement il fait tsakabli. J'arrive à la salle de muscu au cas où ça part en couille. Ah bah la même. Et il y a 09 qui va nous rejoindre. Ok, le 09. On l'aime bien lui. Bah, je viens de le croiser, il m'a dit je vais au sport. J'ai hâte qu'on se débarrasse de cette mission. Le caractère des braqueurs qui était complètement fou. Bonjour messieurs. Donc bonsoir. Du coup c'est bonsoir. Bonsoir.
Attendez, c'est monsieur Rosso là que j'ai reconnu là. Ouais, ça pousse les cheveux. Alors, mais qu'est-ce que vous tentez putain capillairement là? Bah là, je laisse repousser tranquillement depuis le problème avec les Mexicains. Oh putain. Maintenant t'es un Mexicain. Ouais. Mais oh, j'ai hésité à me faire une crête au milieu. Mais vous savez à qui vous ressemblez un peu là? À 06, on me l'a déjà dit. Non, parlez pas de cette pute. Non, vous ressemblez à quelqu'un d'autre. Vous ressemblez à un putain. Pablo Escobar. Mais non, mais il ressemble à Dawson, putain, rip. Il a rejoint. À Dawson? Ouais. Ah, je vais me couper les cheveux tout de suite. Hein. Ah ouais, non, c'est... tu lui ressembles un petit peu, je t'avoue. Hein. Ouais, c'est quelqu'un. Comment dire? Qui a connu une triste fin. Vous voyez les morts? Ben, il est mort. Voilà. Bon, allez, passez une bonne journée, messieurs. Une bonne journée. Salut! Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bonjour, monsieur Wade, vous allez bien? Ah, bonsoir, ça va et vous? Ça va très bien, qu'est-ce que vous faites de beau là? Ah, mais du sport, hein? Et vous? Ah, bah regardez! Ah, voilà, du sport, ça fait plaisir! Ah, putain. Pas que la chemise est craque, ça a l'air d'être du bon matos quand même. Vous inquiétez pas, ouais, c'est du bonne chemise ça, c'est du Kiabi. Kiabi, la mode à petit prix. Ah, c'est pas facile. 1000. Oh putain, c'est pas facile hein. 1000. Oh, c'était rapide ça. 3000. 4000. Oh putain, j'ai du mal. Ah putain. 12560. 19563. 165667. 167668. 167669. Oh putain, damn les amis, regardez cette petite veine putain. Putain, la barre elle s'est pliée quasiment. Ah ouais. Mais t'as besoin de combien d'alters différentes là? Bah l'autre c'est mon alter ego. D'accord. Ok, je vois. Ouais. C'est quoi le plan avec Ron Wick, la salle de sport? Poison, si tu peux expliquer. Quel plan? Y'a aucun plan. En gros, il va juste falloir qu'on l'attrape pour Rapper. Oui, bah oui, bah, j'ai bien compris. Mais vous voulez le faire là? Non. Non, c'est demain. C'est demain. D'accord. Soir, normalement. D'accord. Et pas demain si on est que 5. Non, mais on sera pas 5. Donc on sera beaucoup plus nombreux. On sera 7. Et ce sera après la réunion. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien avec votre White Spirit? Ça va bien, et vous? Ça va. Dites voir, c'est juste pour réparer l'avant de mon véhicule, s'il vous plaît. Ah, mais il y avait des gens avant vous, en fait. Ah ouais, mais faut rentrer hein, dans un garage à la base, non? Non, on fait attendre deux heures, sinon on peut pas circuler. Pour aller jusqu'à l'espace réparation, non, faut attendre 2 heures, monsieur. Par contre, j'étais là avant vous, monsieur, hein, mais bon. Je m'en branle, hein. Ah, ok. Vous avez déjà joué à chat ou pas? Comment? Vous avez déjà joué à chat ou pas? Ouais, je connais ce jeu, ouais. Mais je vais pas jouer avec vous. Voilà. Je suis blessé, soit, hein, faites pas le malin. Oh, attention, vous parlez bizarrement quand même. Je voulais réparer ma crosse, mais il faut que je monte au monsieur. Il fait encore jouer avec monsieur, sa voiture. Il faut faire la queue dehors, monsieur. Apparemment, c'est nouveau. Voilà. Putain, elle a failli se cracher, lui. Monsieur ça, John, ça, les clés sont sur le compteur ou pas? Pardon? Vos clés sont sur le compteur ou pas? Ah, attendez, je vais ouvrir. J'arrive, John. Ah, c'est peut-être bien ouvert. Ah, c'est bon. 4500 par personne. Non, mais... c'est pas 4500. Oui. C'était bah qui la personne en 3. Dans la voiture blanche là? C'est pas divisé en 3, c'est ça. Ah, il est moche, il est dégueulasse, la question. Ouais, mais attends, il y a qui dedans? Aïe. Je le connais pas. Personne ne connaît ce mec? Je l'ai jamais croisé, ce connard. Ok, parce qu'il faisait un peu le malin, c'est pour ça. J'ai vu, j'ai pas fait sa voiture éclatée. J'ai vu, sa voiture éclatée. Ignoble. Ouais, il était éclaté, mais même sa tête était éclatée à ce chien, putain. Même sa veste était éclatée. Reste avec nous, mais c'est pas ODD là. Ah bah c'est ODD. Mais putain, ODD, vos potes ils m'ont dit qu'ils allaient pas vous voir ce soir. Ah bah, il y a eu un petit quiproquo. Ah, il y a eu un quiproquo. Okay. J'ai eu quelques petits soucis ce soir. Mais vous avez des soucis, dis pas. Mais non, c'est avec la police, disons que je les ai fait courir un peu. D'accord, on a fait un peu pampan, quoi. Et alors, vous en êtes sorti cette fois? Ah bah j'ai gagné. Disons que la BCSO, ils se prennent trop pour des cow-boys. Mais d'ailleurs, je me demande s'il était pas de la BCSO, hein, le gars. Ah ouais, ah ouais. Peut-être. Ouais, c'est je sais tous pas, des il cons. Avait... Ouais, il se prend pour un cow-boy. Non, ça me dit rien, enfin, je sais pas. Bah, ils sont... Non, lui, il me dit rien. Ouais. De toute façon, pas 36 à la BCSO. Je vais récupérer mon véhicule. Il est bizarre, votre eau, vous avez des trucs, là, sur la... Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est sexy, ça. Ouais, bah, et je sais alors pas, c'est quoi, c'est des trous, c'est des diamants, en fait, c'est... Quoi. Mais non, c'est pour cacher les tétons. Ah ouais, putain, je peux toucher ou quoi, les diamants? Bah non, quand même pas. Ah oui, c'est bien. Arrêtez, vous allez les abîmer, là, super. Mais non, mais je suis bijoutier, putain. Ouais, bien sûr, hein. Pousse-toi, Ashley. Pousse-toi. Oui, bah, hein. Mais c'est des vrais diamants ou c'est fantasy, ça? Non, c'est des faux. Mais Mazoxy, c'est des vrais, question. Attendez, laissez-moi toucher, coûté je vais super voir. Cher. Non, mais... Ça, c'est du 12-40. C'est pas en regardant, non, mais arrêtez. C'est ça, c'est des faux diamants, ça. Ça, c'est du 12-40. Ah, monsieur Magalagan. 24. Il faut aussi dire à vos employés d'éviter de rouler à 150 km/h dans notre quartier. Bah, dites-leur, il est là. Ah, je leur ai dit, mais...
pas en juger l'état du taxi. il a dû continuer. Je vais lui demander il a pas vu le mur. Alors, du coup, monsieur, je vais vous faire la facture. C'est combien la facture? 140$. Allez. Merci, je vous souhaite une excellente soirée. Passez une bonne soirée. Bonjour, monsieur, vous avez fait quoi avec le taxi là? Dites-moi. C'est sur l'autoroute, y'a un connard qui m'est rentré dedans. Ah putain, il était comment? Je sais plus, c'était une voiture blanche, mais j'ai pas retenu vraiment le modèle. Ah, ok. Bonne chance à vous. Merci. Bonjour, monsieur. De quoi, qu'est-ce qui se passe? Devant l'hôpital, une dame avec une queue de cheval, brune, avec un accent de l'Est et beaucoup d'hommes qui m'a demandé de l'argent. Qui m'a demandé de l'argent pour les enfants de Tchernobyl, mais je lui ai dit que j'avais tout donné aux enfants de Rouen et apparemment elle l'a mal pris, quoi. Bien joué celle-là, bien joué. Bon, c'est qui c'est, hein, on va pas... Et du coup, il est en train de me suivre depuis tout à l'heure, je me casse. Hein. T'es où? J'arrive, je viens te chercher. Fais genre, t'appelles le taxi. Vas-y, bah, je t'attends devant, hein, ok? Vas-y, devant l'hôpital. Ouais, devant. On va bien les faire chier. Fauche-la en passant, je te jure. Ah, ils sont partis ou pas? Ils étaient là il y a littéralement 30 secondes juste avant que t'appelles. Ouais, ils sont partis. Deux voitures, ils sont partis à deux voitures, une noire et une grise. Bah ouais, impeccable. T'allais dire quoi, mais quoi? Bah ils étaient juste là, ils attendaient, soi-disant là, attendaient Parkinson pour un truc. Ah, et les flics derrière, hein. Ah. Eh, mais c'est une voiture banalisée, je crois, en plus. Attends, je crois qu'il attend la moindre erreur de ta part, hein. Mais ils nous suivent, là, non? Ouais, j'ai vu dans le rétro, hein. Ils nous suivent, là, non? Non, mais là, bon, par contre, vas-y, bombarde, hein, nique leur mère, hein. Ah, c'est bon, ils sont partis. Et ils nous ont perdu, ces bolosses, hein. Les bons flics. Ouais, deux virages et les mecs, ils sont en train de vomir dans leur chicot, là. Ouais, deux virages et ils ravalent son vomi, ce chien. Mais du coup, bon, c'est vrai que c'était bizarre parce qu'il y avait quand même 8 personnes habillées tout de noir vêtues, ouais, hein, devant l'hôpital. Et elle me dit, ah, j'attends le monsieur chirurgien. Bon. Est-ce qu'on peut avoir des infos, Gold, s'il te plaît, de manière intelligente et futée? Si t'es accompagné de certaines personnes. Parce qu'apparemment, des gens de l'Est te cherchaient. Et quand j'étais dans l'hôpital, il était en train de soigner un agent, je crois. Tiens. Attends, c'est qui derrière? À ton avis? C'est qui? Dis-moi. Bah, c'est les flics. Ils font genre, ils sont en civil, ils ont... Ah. Voilà. Voilà. Allez, dégage. Pas s'arrêter. Vu que ça fait 3 jours qu'ils nous courent après. Voilà, au moins ils auront une justification. Au moins, voilà, c'est ça. Allez, on va... Tu voulais de l'action? On va t'en donner. Accroche-toi. Non mais, ça fait deux, hein. Deux voitures. Ouais, mais toujours plus, hein. Attends, t'inquiète pas. On dit que j'ai une grosse diarrhée et que faut que tu te dépêches. Ouais. À l'aide. Ah, c'est bon, vas-y, va chier. Vite, j'en peux plus, Allez, restez là. Non, bougez, attendez. Il a une diarrhée, putain. Va je chier, bordel. Contre le mur. Restez là. Va chier. Hop, cascade. Rangez ça. Vas-y, chier, putain, chier, bordel. Oh, putain, bordel. Ça va ou quoi? Contre le mur, là. Vas-y, chier, putain. Contre le mur, monsieur, dépêchez-vous. Attendez, c'est mon frère, putain. J'attends pas, vous allez contre le mur. Ah, ça va? C'est un ordre. Ah, c'est bon. T'as fait caca, c'est bon? Monsieur, c'est bon, s'il vous plaît. Okay. C'est la dernière fois que vous lui dites, ensuite vous le tasez, vous l'emmenez. Ah, c'est pas un mur, ça. Non, mais pas contre moi. Décalez-vous, arrêtez de vous coller. Ah oui, c'est bloqué. Tu me dis, mets-toi à côté de ton collègue, À côté, pas collé dessus. Ouais, bah, réfléchis à tes mots, alors. Ah oui, mais c'est pas des lumières, tu le sais bien. Que vous pouvez me passer votre carte d'identité, s'il vous plaît? On va éviter de parler de lumière à cette heure-ci. Bonjour, madame. Dans ma poche arrière. Vous allez bien, vous passez Donnez-la moi, s'il vous plaît. Bah, écoutez, ça allait jusqu'à maintenant? Tu peux baisser les bras? Ça va toujours, hein. Il se passe rien. Tenez. Merci, monsieur. J'arrête une personne qui Jameson, je t'avais dit quoi sur les diarrhées aiguës, putain? Je t'avais dit, hein. Bah, c'est incroyable. Hein. Tu veux jamais m'écouter? C'est bon? Putain, monsieur l'agent, je vous raconte pas, il a une diarrhée aiguë en ce moment. Heureusement qu'on l'a conduit vite ici, hein, putain. J'ai mangé un 3 steak. Vous connaissez les 3 steaks, monsieur l'agent? Non, mais c'est surtout les 3. Oh putain, c'est une belle arme. Oh la vache! Oh la vache, ça c'est du beau calé, putain. Mais ça c'est pas. Monsieur, est-ce que vous pouvez rester là où on vous a demandé de rester, s'il vous plaît? Non, mais je vais expliquer la situation. Ah, excusez-moi. Monsieur McGallaghan. Je peux répondre à votre collègue? Oui, madame. Vous savez pourquoi on vous arrête? Raccrochez. Ouais.
excès de vitesse. Ah bon ? De vous arrêter. Contresens sur l'autoroute aussi. Non mais c'était... Contresens sur l'autoroute. Non, il n'y a pas eu de contresens parce que j'ai fait demi-tour. Ouais. On fait pas de demi-tour sur l'autoroute, monsieur. Mais je me suis pas engagé, putain. Écoutez, il a une gastro aiguë, d'accord ? Ça arrive à tout le monde, on est bien d'accord là-dessus. Vous êtes passé à côté de l'hôpital, vous auriez pu vous arrêter directement à l'hôpital. Il avait une putain de diarrhée. J'ai pas eu le choix, j'ai dû faire demi-tour, il devait chier. Et puis, madame l'agent, vous pouvez agir, il avait pas sa ceinture. Vous préférez qu'il chie dans votre bureau ? Son siège était mal réglé. Vous avez entendu les ordres radio, pas ? Monsieur Parkinson, vous avez mis la clim trop fort aussi. Parkinson, il est pas là. Non, monsieur Magalogan, s'il vous plaît. Enfin, prenez compte de l'accès à laquelle vous roulez en centre-ville. Combien, madame, putain ? J'ai reçu au moins 180. Ma camionnette est en feu. Au quoi ? Au moins 180. Non, répétez, s'il vous plaît. Vraiment, le deuxième mot, j'ai vraiment du mal, par contre. Allez à l'arrière du véhicule de votre ami. 180 km/h, monsieur Magalogan. D'accord, d'accord, ok, je comprends. Vous pouvez appeler votre collègue Wick ? Je vous assure, quand il a une diarrhée aiguë, c'est pas beau à voir, madame. Non, mais ça, je comprends, mais vous êtes passé deux fois devant le commissariat, devant l'hôpital, prof, vous êtes pas arrêté à l'hôpital. Imaginez deux minutes s'il chie dans la voiture. Non mais comment je vais raconter ça au client, moi? Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que vous rouliez trop vite en ville et que c'est dangereux pour les citoyens. Ah, moi, mon problème, c'est que j'ai pas envie de nettoyer la merde. Putain, ça sort du pas coup, je vais vous mettre une amende et puis on va vous laisser partir. Ah, vous êtes agréable. Je vous endors. Faut peut-être c'est votre voix. N'hésitez pas à aller vous reposer quand même. Hein. C'est votre voix qui m'endort. Ah, pourquoi? Elle est belle, ma voix. Bah ouais. C'est pour Johnny, tout ça. Tu peux regarder... Johnny. Ouais, Johnny. Tu peux regarder... Vous connaissez Johnny pour, Hallyday, putain? Bah, bien sûr. Ah, c'est pour lui. Chaque mot qui sort de ma bouche, c'est pour lui, Johnny. Tu peux faire un check 12, check-moi. S'il te plaît, des amendes pour... Vas-y, check ça. Avec cette vitesse et... Monsieur McGallaghan, s'il vous plaît. Bah, je lui fais un check. Non, je check ça. Il check les infos, pas vous. Ah putain, bah oui, mais faut le dire, madame, aussi, hein, bordel. T'as les clés de ta voiture? Non, bah attends, j'arrive. Oh, restez à côté de la voiture. Mais non, mais il y a votre monsieur là-bas, il me fait peur, là. Ah oui, il va pas me voler ma caisse, putain. Bah, je sais pas, mais attendez, mais vous êtes sûr que lui, il est fou? Ouvrez votre voiture. Ouais, il est mec, il sort un flingue. Ouvrez votre voiture. Allez. Non, c'est une question. Mais pourquoi j'ouvrirais ma voiture? Ouvrez votre voiture. Mais vous allez la voler. Sinon, négatif, faudra pas vous la voler. Messieurs, dames, il y a ma camionnette qui est en feu devant l'hôpital, ça gêne personne, non? Non, c'est bon? Bah, il y a d'autres agents d'un autre district qui ira. Oui, ah, okay. Après. D'accord. Bon, allez, on abrège. Bon, du coup, je vais rapidement vous fouiller quand même, histoire d'être sûr. Bien sûr, madame, allez-y. Tâtez bien. Vous pouvez m'embêter? Non, par contre, fouillez bien aussi la pression de ses pneus, parce que je crois qu'il y a un truc qui va pas avec ses pneus. Allez, à côté de la voiture. Alors, madame, j'avais quoi dans ma poche? Il faut faire quoi? Il faut qu'on sorte des bazookas, que vous soyez un peu... Et on est d'accord, c'est des petits savanes. Vous aimez bien les petits savanes? J'aime bien surtout avec la barre au chocolat au milieu, là. Oh putain! Oh, m'en parlez pas, les nouveaux pitchs, c'est un délice, hein. C'est pas des pitchs, c'est des savanes. C'est savanes barre choco. Putain, ils ont sorti ça, ça y est, c'est sorti! Ça fait un moment, hein. Mais c'est incroyable. 28. Oui. Délit de fuite, c'est 1500$. What? Putain, bordel! Délit de fuite, 1500$! Je paye pas! Ah bah, c'était une blague, Je vais pas à ça, vraiment, je vais pas à ça, parce que bah après, c'est contre vous. Bah non, mais retournez là-bas, c'est là-bas. Bon, allez. Garde à vue. Mais non, les mains derrière le dos. On a plus le temps, là. Oh, bouge pas. Allez, go, on y va. Ah, non, c'est à côté. Allez, on y va. Au comico, s'il vous plaît. Au commissariat, s'il vous plaît. Eh, mais je dis, faut quoi, des bazookas? Vous soyez un peu étonné ou ça se passe comment? Pardon? Descendez, monsieur. Faites-moi sortir ça rapidement. Sortez de la voiture. Bah, on va pas en garde à vue. Je vous la porte, sortez. Bon, vous restez là. Venez avec moi. Vous collez leur tête sur le véhicule et vous me passez les menottes de force. Là. Attends, t'as trop serré là, t'as trop serré. Allez. C'est pas grave. J'ai plus. Monsieur, baisse la tête. Baissez la tête. Rentrez à l'intérieur. Bah, j'étais déjà à l'intérieur. Merci. Attache-le. Est-ce que quelqu'un a le numéro du coiffeur de votre commandant, s'il vous plaît? Non, pas là. Monsieur Bauer? Je vous écoute. Vous avez le numéro de coiffeur de votre commandant, s'il vous plaît? Merci. Ouais. C'est vrai, putain! Il a un brushing. Attention, hein. C'est un coiffeur VIP. Par contre, pour le véhicule, on récupère son véhicule? Ah, ouais, quand même, hein. Ah bah mince. Il me faudrait les clés, monsieur Magalogan. Ah, toujours pensé à la sécurité. Comment je vous les donne? J'ai les mains attachées. Attendez, je vais vous sortir. Ressortir, on va vous. Hop. Colle pour Fischer. Allez, venez, je vous tiens par le bras. Donc du coup, là, je vais faire de la garde à vue. D'accord. Ah, ok. Donc du coup, je vais faire de la garde à vue, là. Et les clés, elles sont où? Allez-y. Ah, bah attendez. Vous pouvez mettre la main dans la poche arrière, s'il vous plaît, gauche, monsieur Bob. Voilà, allez-y. Attends, hein. viens, t'as eu un poil. Attends, je comprends pas, je vais faire quoi, moi? Ah bah... J'ai pas... C'est bon. Bah alors, mais c'est pas... Oui, c'est bon. Fouillez bien, fouillez bien. Voilà, ça, c'est le petit bouton. Non, pas ce petit bouton, l'autre petit bouton. Ok, j'ai du coup, ça a essayé de jouer avec Bauer achat. Bon, ma direction, le commissariat. Je monte ici maintenant, je monte devant. Non, pas devant. Ah, mais j'ai pas choisi, putain. Ok, cool. Hop. Voilà, je vous mets la ceinture.
Hop. C'est trop cool cette voiture. Ah, t'as vu? Eh, tu me la rends, hein? Elle va me la voler. Elle va m'embarquer ma putain de caisse. C'est possible? Non, c'est pas possible, non. Oh sinon, putain, j'ai un pneu de crevé. Je la retrouve et elle finit dans une putain de cave. Bah alors, elle est super. 59, hein. J'ai un pneu de crevé au véhicule. Attends. Ah, mais vous avez une ceinture, il y a une ceinture. Ah, parce que je l'avais. Hop. Oh. Je l'avais retiré avec les dents, excuse-moi. Ah, mais c'est pas. Je peux pas, moi. C'est quoi ce délire? Voilà, c'est bon. Elles sont propres, vos cellules, j'espère. Putain, pourquoi j'ai un pneu de crevé? J'en étais sûr que le coup de taser était parti dans mon pneu. Je suis désolé. C'est toi? Mais oui. Putain.